Mesdames, Messieurs, Madame la chef d'arrondissement, Monsieur et Madame de l'éducation en langue locale, pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être de nouveau au Bénin et de travailler pour l'épanouissement de jeunes femmes et leur insertion dans la vie professionnelle. Nous avons dans l'association Savoir sans barrière créé ce concept avec trois axes. Et ce concept, j'aimerais vous le présenter comme un arbre. Un arbre a des racines, un tronc et des branches. Les racines de l'arbre qui est votre vie, c'est la langue fond. C'est les racines dans les langues locales, dans la culture locale. Il y a un proverbe africain qui dit « Le nomade voyage avec ses racines ». On a tous quelque part des racines. Et on peut entrer en contact avec des tas de cultures dans le monde si on est au clair d'où on vient et où sont ses racines. Donc, la base de notre travail, c'est votre lien solide et complet avec la langue fond et la culture béninoise. Ensuite, il y a le tronc. Et ça, c'est le leadership féminin. C'est des capacités qui vont vous permettre d'entrer dans la vie professionnelle, de connaître vos capacités et de trouver un travail où ces capacités sont reconnues, sont nécessaires. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de trouver un épanouissement personnel. Et puis, un arbre, il a des branches. Et ça, ça va être la langue international Esperanto, qui est parlé dans plus de 130 pays, qu'on va apprendre, on va avoir les bases cette semaine. Ensuite, vous pouvez, si vous avez l'envie, facilement compléter tout ça et avoir des contacts au niveau mondial par cette langue. Donc, on va rester dans cette idée de l'arbre avec les racines, le tronc et les branches. J'aimerais encore vous lire deux témoignages, deux messages que vous adressent des anciennes élèves, des anciennes participantes, parce que le cours qu'on appelle SEVI, Seminario por Virinoi, Seminario, ben ça tout le monde comprend, le séminaire, Virinoi c'est les femmes. Donc on a pris les deux premières syllabes pour nommer le cours SEVI. Et en espéranto, SEVO, c'est la sève. Donc on reste dans l'allégorie de l'arbre. On va développer la sève qui est comme le sang de l'arbre. Alors, ce cours ici s'appelle SEVI 3. Et je vous lis un message de Mireille Ungpe du Bénin qui a participé à SEVI 1. Elle écrit « J'étais une des participantes au séminaire pour femmes SEVI 1 à Joka en l'an 2015 au Bénin, dans la ville de Cotonou. Les cours étaient super intéressants. Les organisateurs et les enseignants ont préparé avec soin des cours de théorie et de la pratique, sans oublier de nous motiver. Grâce à ce cours, j'ai beaucoup grandi, car j'ai aimé découvrir et comprendre à quoi servait l'espéranto. Comme écrire la langue fond que je parle chaque jour avec d'autres personnes. Et comment relever les défis des femmes qui choisissent de réussir et d'évoluer selon un but grand et clair. Par bonheur, déjà au cours du séminaire SEVI, j'ai commencé à rencontrer des espérantophones qui sont devenus de vrais amis. C'est comme ma deuxième grande famille. J'ai trouvé mon modèle de grande femme grâce à laquelle je gère toujours mieux ma vie. Je continue d'apprendre et de perfectionner ma pratique de l'espéranto. 2 ans après SEVI, je n'ai pas loupé l'occasion de faire mon premier grand voyage hors du Bénin, qui m'a conduite vers l'Italie, toujours avec l'espéranto. Là, j'ai pu recevoir un entraînement pour former d'autres personnes. Donc elle est devenue formatrice de formateurs. Après presque 5 ans, je n'oublie pas le séminaire pour femmes, car il est arrivé pour moi comme un superbe cadeau. Avec mes salutations,
et cordiaux remerciements. Mireille la Béninoise, parce qu'on avait Mireille la Suissesse et puis on avait une Mireille la Béninoise dans notre cours Sévi 1. Une autre participante vous écrit, bon, bonjour Madame Mireille, comment allez-vous? Je vais bien aussi, sur le plan professionnel, je me défends, ça avance. Merci de demander. Je suis très contente de savoir que vous continuez à vous battre pour l'épanouissement et le développement des femmes. Succès et évolution à vous. Je ne pourrai pas être de la partie puisque je ne suis pas à Cotonou, mais j'ai vraiment envie de venir. J'espère qu'il y aura de nouvelles occasions de rencontre très bientôt. Je vous souhaite une bonne formation et plein de bonnes choses à toutes les filles. Voilà. Merci.